Bon, allez, hop, pour non plus tiller pendant 107 ans. Il est où? Quel bouton? Il est là. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 octobre, il est 21h03, comme d'habitude, hein, à peine à l'heure. Si vous avez vu la notification, si vous avez vu le titre, si vous avez vu Twitter ce soir. La semaine dernière, j'avais dit qu'on essaierait de rejouer mon article d'il y a un an finalement, un an et demi, sur le fait d'installer un Ansible sur un téléphone Android. En fait, je me suis dit que ce serait cool de revoir un peu plus large comment utiliser son téléphone Android sans compte Google, qui commence à devenir quelque chose de plus en plus nécessaire, plus que jamais. Vous allez voir que c'est pas un exercice facile. Et on bricolera quand même Ansible, on va pas se mentir. Hein, avant ça, je voulais revenir. Je voulais rappeler. Je voulais vous donner des nouvelles. Mon bureau. Je crois que je l'avais dit hein, la semaine dernière, j'ai commandé un bureau chez Flexispot. Le sketch a été total. Je crois que j'avais déjà expliqué peut-être que j'ai à patienter pendant. Ah non, en fait, le plateau il est arrivé jeudi dernier. Donc j'ai commandé le 28 un bureau, donc les pieds, enfin le châssis et un plateau. Donc les deux éléments sont vendus à part. Et donc le 28, j'ai reçu. Enfin, le 28, j'ai passé la commande. 28 septembre. Le 29, j'ai reçu une première notification d'expédition. Et le 30, j'ai reçu une deuxième. Et d'un côté, il y avait un transporteur que je ne connaissais pas. Et de l'autre, je voyais DPD. Donc déjà, j'étais moyennement confiant dès le départ sur le fait que ça se passerait bien. Est-ce que j'avais raison? Alors, le plateau, lui, j'ai reçu donc jeudi dernier, donc on était déjà le. Si je reprends le calendrier. Du coup, le 3 octobre, donc là, on est à 5 jours, sachant qu'il y a eu le week-end entre les deux, donc je me suis dit, bon. En termes de délai, ça va, c'est correct, sachant que ça partait d'Allemagne. Le problème, c'est que j'ai reçu le SMS à 6h du matin pour me prévenir qu'on allait me livrer entre 9 et 13. Je sais pas si vous voyez un peu la douille. C'est pas dingue. Et au final, j'ai réussi à m'arranger. Le livreur a laissé le colis à côté de chez moi. Et comme de toute façon, bah, je suis rentré ultra tard jeudi soir parce que bah, je suis allé boire une bière avec des anciens collègues. Ça m'a reporté le plateau au vendredi matin. Par contre, pendant ce temps-là, quand je regardais le statut du colis DPD, c'était toujours marqué, on doit aller le chercher chez l'expéditeur. Donc les mecs, au bout d'une semaine, s'étaient toujours pas déplacés pour aller chercher le colis. Pourquoi pas, hein? J'ai quand même laissé passer le week-end. Lundi matin. Enfin, dimanche, je vois le statut changer pour dire le colis est en cours d'acheminement vers nos entrepôts. Alors, faut savoir que c'est le numéro de suivi allemand, donc je remercie Firefox et sa traduction intégrée, que je vais pouvoir montrer d'ailleurs, je crois. Hop, peut-être genre dpd.de, parce que c'est à peu près ce que j'ai eu. Bon, bah là, il me demande automatiquement si je veux traduire, je lui dis vas-y, traduis. Et donc là. Il va mouliner un peu et il traduit automatiquement le texte, plus ou moins bien. Hein, on va pas se mentir, il y a des éléments. On voit qu'il y a des. Hein, c'est un petit peu délicat, mais on comprend quand même que le bouton rejeter, il est là, le bouton paramétrer, il est là, le bouton accepter, il est là, que ça, c'est toujours pas conforme à RGPD. Voilà. Globalement, ça traduit le texte, donc ça m'a permis de survivre et de savoir justement le statut de ces colis-là. Et le problème, c'est que du coup, voilà, donc le dimanche, donc ça faisait déjà plus d'une semaine, donc là j'ai dit on se fout de ma gueule. Le truc, c'est que le site de Flexispot, il a qu'un numéro de téléphone pour appeler un humain au Royaume-Uni.
Donc armez-vous de patience et de votre meilleur anglais si jamais vous devez commander chez eux et que vous avez besoin de leur parler. Parce que sinon, pour parler en français, je leur ai posé la question, du coup, ils m'ont dit, il reste que le chat sur le site. Le chat qui sera bloqué si vous utilisez un bloqueur de tracker, comme le mien, comme uBlock Origin. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc au téléphone, la personne me dit, maintenant, c'est encore dans les délais standards de livraison. Bon, d'accord, pourquoi pas, ce serait bien de prévenir que c'est aussi long que ça. Il y a quand même eu. Bon, certes, j'ai commandé un vendredi, donc je m'attendais pas non plus à des miracles, mais plus de 5 jours pour livrer des trucs, ça commençait à me gaver. Et donc j'ai attendu. Je dis, ok, pas de problème. Mardi matin, je pars chez le client. Le midi, je mange avec Genma. Parce que ça fait 5 ans qu'on s'était pas vu et on a appris que finalement on pouvait se voir et manger et se faire une petite bouffe ensemble. Donc du coup, voilà, c'était cool. Et sortie du resto. Tiens, on essaye de m'appeler. Je rappelle. Oui, bonjour, c'est le livreur DPD, j'ai un colis pour vous. Pardon. Mais vous n'avez pas prévenu que vous alliez passer. Je dis, moi je suis pas là. Et donc du coup, vous allez faire quoi? Et donc là, il me pose la question, je dis bah repassez demain. Je dis, ok, repassez demain, parce que demain je serai à la maison. Et le mec repasse mercredi matin, 9h30 tapante. Donc j'ai un colis de 20 kilos de chez Flexispot. Et j'aurais dû regarder un peu de plus près le colis parce que sur le carton c'était marqué 2 sur 2. Mais sur le coup, il n'y avait pas de, n'y avait pas de nombre de colis dans le suivi d'expédition ni quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que 2 sur 2, c'était le deuxième colis qu'il avait avec le plateau, alors que techniquement, ils n'étaient pas sur le même transport. Mais sur l'étiquette de DPD, c'était marqué 1 sur 1. Donc il n'y a qu'un colis. Jeudi matin, deuxième jour où je vais chez mon client. Bon, je passe sur le RER qui était encore magnifiquement en carafe. Le RER A pour changer. Le D n'avait que quelques petits ralentissements. Et là, j'avance vers l'arrêt de bus à La Défense et coup de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, livreur DPD, donc le même que le mercredi, donc le même que la veille. J'ai un deuxième colis pour vous qui ressemble à celui que je, qui est pareil à celui que je vous ai livré hier. Je fais pardon. Mais toujours pas de notification. Comme quoi vous allez livrer, c'est pas possible. Ça, cette histoire, ça commence à devenir n'importe quoi. Mais sauf que là, manifestement, le gars était pas, avait pas la capacité de dire d'emblée je peux vous relivrer le lendemain. Il m'a dit je leur refile et puis vous verrez ce qu'ils vous disent. Donc là, déjà, ça commence à me faire peur parce que moi, dimanche, le vieux bureau là, celui sur lequel je suis actuellement, il s'en va. Donc il faut absolument que je monte l'autre soit demain, soit dimanche. Et donc je me dis, bah, comme je lui ai donné l'info comme quoi il fallait qu'il me relivre demain, je me pensais qu'il avait passé l'information. Et là, ce matin, je reçois une notification à 11h30 qui me dit que le livreur a pas pu me livrer, que mon colis n'est pas passé, enfin. Et qu'il faut que je j'aille sur le site pour donner des instructions. Et parmi les instructions, il y a replanifier une livraison, et là, il me propose le lundi. Ah bah, non. Non, c'est juste pas possible. Donc ils ont un numéro de téléphone, un centre d'appel à qui vous pouvez parler. Et donc là, j'apprends deux choses magnifiques. Alors déjà, j'apprends que le colis, il est à 10 km de chez moi. Donc déjà, ça, c'est pas une si mauvaise nouvelle parce que je peux y aller. Mais surtout, je demande. Enfin, c'est. Je les engueule, hein, je vais être honnête, hein, je les engueule. De toute façon, ils ont enregistré. Donc, ils peuvent ressortir le truc s'ils ont envie. Mais je leur ai dit, c'est pas normal, on est en 2024, que vous notifiez pas les gens quand vous les livrez. Et là, ils me disent, bah non, en fait, l'expéditeur a pas pris, a pas l'option. L'option, c'est pas un truc standard en 2024 de prévenir les gens quand vous livrez? C'est quand même terrible ça.
Vous êtes au courant qu'il y a des concurrents, vous avez la date de livraison avant même d'avoir passé la commande ? Amazon, hein, pour pas le nommer. Hein. Voilà. Donc, ouais, je les ai eus un peu là. Je les ai eus un peu là, et du coup, en plein après-midi, je suis allé directement au dépôt DPD, et par contre, là, je suis tombé sur quelqu'un de très sympa, qui m'a dit « Oui, oui, c'est bon, je vais vous chercher votre colis, tout va bien. » Sauf que, bah, cette information-là, je l'avais, normalement, officiellement, je l'avais pas, qu'il était à 10 km de chez moi. Ça, c'est un bonheur. Donc, voilà, voilà. Donc, DPD, hein, vous... de la même façon que vous rejetez les cookies, dès que vous pouvez les éviter, vous les évitez. Alors, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, autre truc, je voulais revenir vite fait sur ce qu'on avait fait la semaine dernière. Alors non, ça c'est un backup machin. J'ai eu l'occasion de tester une version de... une build de test de Whisper Desktop. Desktop, voilà, en test, qui m'a permis de tester le dernier modèle V3 large d'OpenAI pour faire de la transcription donc audio. Et donc, je vous avais montré que la version 2 me sortait que des notes de musique. Ah bah voilà, là j'ai la... Voilà, c'est pas compliqué. Là, voilà, j'ai que ça. La version 3 m'a sorti le texte. Alors, c'est pas tout parfait, parfait. Mais là, cette fois, j'ai quasiment l'intégralité du texte. Donc, c'est pas mal. Franchement. Je suis content. Je suis content. Ça marche enfin. Il a quand même fallu 3 versions pour que ça fonctionne. Non, en tout cas, sur mes vidéos à moi. Sur d'autres vidéos où il n'y a pas d'autres... Là, le truc, c'est que moi, il y a de la musique en fond, donc... Et même s'il n'y a pas de parole, au final, il n'y avait pas de raison qu'il passe à côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, Whisper Desktop, je sais plus si je vous avais mis le lien dans la vidéo YouTube, mais sinon, c'est... alors, si je mets pas toutes les lettres, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, il y en a un qui demande merci de supporter la version 3. Donc ça date de novembre 2023 quand même. Hein. Déjà, j'ai appris que le truc était sorti. Oui, j'ai appris que la version turbo venait de sortir et moi j'ai pris le large. Et donc le point zip là fonctionne. En tout cas, sur ma carte graphique à moi, ça passe notamment par. Donc ça c'est le truc intégré, mais le ça passe pas par les computes, mais par le 3D, parce que ça passe par DirectML, donc du coup ça passe en mode... ça apparaît comme utilisation 3D. Bon, c'est pas fou, mais ça bourre. C'est déjà ça. Et comment... Ouais, non, ça c'est bon, ça marche. Okay. Oui, j'ai eu peur un peu. Et donc ça reste qu'une version de test, mais pour l'instant, bon. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est pas trop mal. En plus, il détecte quand il y a des répétitions et tout. Donc, il peut faire le ménage dans le texte généré. Non, franchement, je suis... Ah merde, j'avais pas vu la réponse. Bah écoutez, regardez, on va le faire en direct. Le monsieur, il me demande... c'est Hugging Face... Large V3, hop, voilà. On va lui répondre tout de suite. Pouf. Code reply. Four. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Petite contribution qui coûte rien. Donc voilà, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que... Ah oui, alors grâce à un collègue de travail, je réfléchis à... Le problème, c'est que j'aimerais étaler un petit peu les achats. Parce que avec le bureau, ça pique un peu. À acheter un Bose Docas pour la réduction de bruit active. Sachant que les Quiet Comfort de chez Bose sont des références depuis très longtemps.
Et en fait, chez Back Market, on peut le loger à 170 balles. Il y a même des. Là, ça, c'est le QC35-2. Et le QC35 première génération, lui, il est à 20 euros le moins. Donc ça peut être sympa. Voilà. Le problème, c'est qu'en fonction de. Même en le commandant maintenant, je vais avoir des problèmes de présence. Et que je risque de pas pouvoir le. Je risque de devoir attendre pour l'acheter, donc on verra. Mais a priori, il y en a souvent. Le seul point faible, c'est que j'ai vu pour remplacer la batterie. C'est marqué difficile. Pour une bonne et simple raison. C'est que. Alors le début, ça va, vous voyez, le guide d'iFixit, c'est retirer les coussinets, oui, retirer la feutrine. Pas de problème. Donc ils disent éventuellement chauffer un peu la colle ou avec un sèche-cheveux. Et là par contre, c'est ici. Ici ça devient compliqué parce que en fait, bon là les deux vis c'est pour tenir le capot de l'autre côté. Donc une fois qu'on l'a, voilà, il s'enlève tout seul. Mais par contre, bah en fait, la batterie, elle est sous un. Comment? Sous un cache qui est collé. Voilà. C'est vraiment pas fou. Donc. C'est vraiment pas foufou. Et en plus, la batterie est soudée. Donc on est vraiment pas sur un truc sympathique, hein, vraiment. En achetant deux cases, voilà, faut savoir que du coup la batterie sera peut-être un peu moins neuve. Alors je vais voir ce que ça donne, mais j'ai un petit doute sur la durabilité du truc. C'est vraiment dommage parce que sinon en tant qu'appareil, c'est vraiment de la bonne cam. Même si j'ai toujours trouvé que ces trucs-là étaient un peu chers, le fait est que n'ayant pas beaucoup de concurrence, les mecs se gênent pas pour se rincer comme il faut. Et se posera la question épineuse de comment je l'utilise en dehors de mon téléphone. Mais bon, ça, ce sera plus pour la culture qu'autre chose. Le principal usage, ce sera dans les transports. Parce que je veux voir la différence avec. J'ai des intra-auriculaires un peu. Un truc qui fait un tour de cou et où je peux me brancher. Il y a un truc de chez Beats d'ailleurs, parce que je cherchais un modèle dans le genre et c'est ressorti. Et il s'avère que c'est bien, mais le fait est que même ça tient pas ultra bien dans les oreilles. Dommage. Hop là, un petit coup de flotte. Toujours. Et du coup, bah voilà, je me tâte quand même à l'acheter, je ferai peut-être un retour. Et en fait, c'est un collègue de boulot qui m'a dit, mais pense occasion en fait, parce que sur Back Market, tu trouves ce genre de casque à 150 balles. Et le fait est que en neuf, de cette qualité-là, là, ils ont beau dire 250 euros, en vrai, non, c'est beaucoup plus cher que ça, on est plus près des 400 voire des 500 balles. Donc là, c'est cool. Honnêtement, c'était vraiment cool. Et manifestement, ils en ont régulièrement. Donc 150 balles, c'est. Enfin, 150, 170 balles, c'est déjà une proposition plus intéressante en valeur. Bon, alors. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie sur. Prenons le grand sujet. Sur un téléphone Android, quand vous voulez l'utiliser sans compte Google, que faites-vous? Alors, on avait vu quand j'avais fait l'installation de Lineage que on pouvait très facilement. Comment? Se passer du compte Google au démarrage. Mais une fois que c'est fait, le fait est qu'on n'a rien. Donc,
À l'heure actuelle, à part peut-être sur les Android TV, sur les téléphones Android, la plupart du temps, vous pouvez démarrer sans compte Google. Souvent, il suffit de pas avoir de réseau du tout quand vous démarrez le téléphone la première fois. Et vous avez l'option passer. C'est pas comme Microsoft qui va absolument vous forcer à utiliser un compte Microsoft sur Windows 11. Google le propose encore. Et après, bon, bah, y a certains fabricants, notamment sur Android Télé, qui abusent un peu, comme Nvidia par exemple. Plus casse-couille. Mais voilà. Du coup, alors le problème, c'est que comme j'ai eu énormément de problèmes pour réussir à vous faire quelque chose, alors ça va être quoi? Smartphone wide? Alors webcam source non, smartphone screen translucente. Mais pourquoi la scène est comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire, non, on va faire desktop smartphone. Et après, on a le smartphone cam. Non, le smartphone screen translucente. Ça va être ça. Ça va être ça. Et on va faire démarrer le flux. On va faire commencer. Et je vais modifier ça. Je vais faire 42. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Pourquoi? Ça veut pas. Il est démarré. Hein. Diffusé. Alors. Je vais y arriver. Hein. Non, c'est pas webcam, ça, je m'en fous. Tac tac, 1080, ouais. 42, on est d'accord. 80, 80. Oh, ouais, c'est tout. Ok. Bon, alors en translucente, c'est peut-être un peu chiant. Faut que je modifie le truc. Hop, bougez pas. Correction des couleurs. Voilà, on va se mettre une opacité à 98, ce sera bien. 99. Non mais. Ouais, 99, c'est pas mal. Allez, hop, voilà. Alors, première chose que j'ai fait, du coup. Alors, je l'ai déjà désactivé, mais l'InEdgeOS vient avec un navigateur qui s'appelle Web Browser, je crois, un truc comme ça. Il a un nom. Attendez, si on va dans les paramètres, on peut aller voir les applications qui sont. Alors, afficher les 30 applications. Comment il s'appelle? Il s'appelle Navigateur, il est là. Voilà. Et donc j'avais que lui par défaut, donc je l'ai. Comment? Je l'ai utilisé pour aller sur FDroid. FDroid est un magasin d'applications Android open source. Qui forcément n'a pas tout, mais qui a pas mal de choses. Alors vous ne trouverez pas vos Candy Crush et compagnie, vous ne trouverez pas vos applications bancaires, vous ne trouverez pas
du Spotify, des trucs comme ça, parce que les applications ne sont pas open source. Donc voilà. Mais donc déjà, ça vous permet d'avoir une source d'application pour certains besoins. Il y a, c'est notamment là-dessus que on va avoir, si vous vous souvenez, pour ceux qui, c'est DAF5X, je crois, non? Ah. Alors, j'ai raté un truc. Qu'est-ce qu'on avait installé quand on voulait... I don't remember. Il y avait l'application, parce que Nextcloud fait... Enfin, l'application Nextcloud principalement gère les fichiers. Et pour tout ce qui est synchronisation de calendrier et compagnie, ils vous disent d'installer un autre truc. On avait fait un live dédié en plus de ce truc-là. Bon, bref. J'ai donc sur le téléphone installé F-Droid. Et à partir de là, tiens, d'ailleurs, ça fait un... Vu que le téléphone, ça fait 2 semaines qu'il est éteint, on va en profiter pour vérifier les mises à jour. Alors, faut juste que j'espère qu'il tente pas de mettre à jour ce... le HTTP screen stream pendant qu'on... Bon, sinon, vous perdrez un peu l'écran pendant ce temps-là, mais... Après, en plus, le téléphone, il panique un peu. Enfin, il pleure un peu du sang. Et donc, grâce à ça, bah, ça a permis de... Allez, pitié. Ok, donc là, on voit, il fait quoi? Il est en train de mettre à jour 4 applications. Alors, Aurora Store, a priori. Ok. OSM On, c'est le GPS, basé sur OpenStreetMap, puis bah, VLC. Est-ce que j'ai besoin de présenter VLC aux gens? Hein? Voilà, donc Aurora Store, je vais y venir, parce que c'est le deuxième gros morceau qui permet dans la pratique de d'utiliser son téléphone sans compte Google au quotidien. Et je vais y venir. Bon, c'est lent du cul. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai installé du coup? J'ai déjà installé VLC, donc Screen Stream, qui est l'application qui me permet du coup voilà, de diffuser l'écran de l'écran du téléphone. OSM And, qui est machin. Launcher 3, en fait, bah, c'est le launcher par défaut qui est fourni avec Lineage. Donc ça, celui-là, en fait, il était avec. Core, c'est la télécommande officielle pour mon Raspberry Pi, avec LibreLec. F-Droid, donc F-Droid se met à jour via F-Droid. Binary, donc c'est un lecteur de code barre qui fait aussi lecteur de QR code. Et donc Aurora Store. Alors... est-ce que, du coup, il est encore en train de... Ok, il est encore en train de se faire mal, là. J'ai l'impression. Bon, sinon, on y va, hein. On met à jour, et puis... On voit que ça galère un peu, quand même, hein, quand je vois la gueule de l'interface. Avec la diffusion vidéo, plus là, ce que je lui demande. J'avoue que, du coup, j'ai presque un peu peur pour l'installation d'Ansible, pour voir si ça va pas poser problème. Mais bon, on verra bien. Hop, on va faire ça. On va le laisser finir OSM And. C'est bizarre qu'il galère comme ça. Bon, après, comme d'habitude, on est vendredi soir. Allez, tu sais le faire. Oh, putain, il est bouillant déjà. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va le laisser continuer comme ça. On va faire ça. Oui, si je veux revenir sur du coup, donc vous voyez au niveau des applications, bon, il y a une application d'agenda, une application d'appareil photo, une application audio FX. J'ai déjà désactivé le clavier Android parce que j'ai installé, d'ailleurs c'est bizarre de ne pas le voir, mais OpenBoard,
qui est un clavier open source, voilà, que j'utilise déjà depuis très longtemps, enfin, j'utilise depuis longtemps, donc. Du coup, comme j'ai installé, vous vous en doutez, Firefox, via Aurora Store, je vais vous expliquer, du coup, j'ai désactivé le navigateur intégré. Voilà. J'ai désactivé le lecteur de musique parce que j'ai VLC. Voilà, en gros, par rapport au package de base de Lineage, j'ai des. Oui, alors comme le téléphone, je compte pas l'utiliser en tant que téléphone. Oui, on l'appelle smartphone, mais du coup, voilà. J'ai désactivé Contact. Et par contre, je crois que j'ai pas pu désactiver l'application de téléphonie ou un truc comme ça. Je sais plus. Non, voilà, téléphone, en fait, je peux pas la désactiver. Ça m'emmerde un petit peu, mais bon voilà, de toute façon, vu qu'elle sert pas. Et il y a l'application TWRP qui s'est mise à jour aussi. Alors, du coup. Ah la vache, c'est vraiment le vent du fion. Hein. C'est ouf quand même, qui galère comme ça. Ok, voyons. Compliqué cette histoire. Donc. Ah oui, puis j'ai installé. Alors ça, je l'ai fait manuellement du coup, parce que c'est vrai qu'il y a un délire là-dessus. Mais évidemment, Blockada est activé. Et là, j'ai découvert quelque chose de très pénible. C'est que dans Blockada 4, on avait la possibilité de rajouter ses propres serveurs DNS. Ce n'est plus le cas dans Blockada 5. Et Blockada 6 n'est plus open source et il est payant. C'est devenu un service tout à fait banal, entre guillemets, qui sert à rien. En tout cas, pas quand on veut être indépendant. Donc, voilà, c'est un peu. Bref, alors, fermons tout ça. Aurora Store. Aurora Store, qu'est-ce que c'est? C'est la boîte à outils magique. C'est une interface qui permet d'aller récupérer les applications depuis le Play Store, mais qui le fait de manière anonyme. Qui le fait de manière anonyme. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a les mainteneurs de l'application. Ont développé un bout de serveur qui va aller créer des comptes. Vous avez vu à un moment donné, il y a eu un petit message pour créer une nouvelle session. Ça crée un compte, ça vous connecte dessus, et vous pouvez faire vos mises à jour, vous pouvez installer des applications. Ça marche généralement pas très longtemps parce que, bah, en fait, dans la pratique, les conditions d'utilisation du Google Play Store imposent d'utiliser un compte Google, donc imposent de se faire tracer. Entre autres choses. Et créer un compte qui ne reflète pas votre identité, ça leur plaît pas, donc ils interdisent le truc, ou ils essayent d'imposer, en fait, de. Ils ont tenté à un moment donné, il a fallu trouver des contournements encore, c'est qu'ils ont mis du rate limiting sur les adresses, sur les API, pour les comptes qui venaient d'être créés. Tenter de, voilà, de bidouiller un truc comme ça. Alors vous voyez, quand on a fait la montée de version du OnePlus 6, de son Android 6 d'origine à Android 11, de fait, bah typiquement pour l'application Nextcloud, si vous n'avez pas Android 7, ça pose problème. Donc faut le savoir. Hein. APK invalide ou corrompu. Ah, c'est pas pratique ça. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet de ce soir, tant pis, je voulais vous le montrer, mais bon. Oh, puis le téléphone, il a chaud. Hein. Il a très chaud, le pauvre. On va peut-être pas pouvoir lui en demander tout ce qu'on veut. Hein. Il a même pas installé OSM Hand que je lui avais demandé. Bon, hop. Oula, oula, le pauvre il.
Ok. Là, ça a l'air mieux, ça a l'air de passer. Toujours 7 prix. Hop. Donc là, on va le laisser finir de mouliner parce que... Ok, installé, réussi. Parfait. Non, de toute façon, je voulais rester là-dedans. Pourquoi? Parce que je veux... Du coup, faire ce que je voulais faire au départ. C'est-à-dire installer Termux. Donc voilà, hein, grosso modo, les... Comment? Ouais, alors c'est bien. Ah, Termux tout court. Voilà, c'est ça que je voulais. Mais vraiment... Bonsoir, Fira, bienvenue. La première bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va bien. Comme tout le monde, enfin, en tout cas, tout le monde en France, un truc que je ne sais jamais. Le week-end s'annonce bien. Donc, on est en train de faire plusieurs choses. J'ai montré un petit peu. Ça galère vraiment de ouf. Je sais pas si c'est le téléphone tout court. Bah oui, parce que là, je viens de perdre le Wi-Fi encore. Oh là là. Ah ouais, il a trop chaud, hein, le pauvre. Il a trop chaud. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi taxant pour ce vieux téléphone. Hop là. Et... Ah mais alors du coup comme ça a coupé, il va mettre 3 plombes à récupérer. Si je fais annuler... Je peux annuler ou pas? Non, je peux pas annuler, il veut pas. C'est bon, il a annulé. Il a l'air d'avoir annulé. On va relancer le téléchargement. Oh, il a repris où il en était. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que le Wi-Fi a déjà marché sans souci? Ah oui, pendant très longtemps. Et même le téléphone, là, quand je l'ai réinstallé avec LineageOS, j'ai passé quasiment 2 heures, plus de 2 heures avec, à bidouiller, à installer des applications dans tous les sens. Et j'avais pas le problème. Là, par contre, en fait, je diffuse l'écran via le réseau pour pouvoir le partager là sur le stream. Et en plus de faire tout ce que je fais. Et derrière le téléphone, là, je le sens, c'est bouillant. Screen copy, non. Non, non, j'utilise une application qui s'appelle. J'utilise une application qui s'appelle HTTP Stream. Ou Screen Stream, voilà, Screen Stream. Après, peut-être que. Le fait est que j'ai rien trouvé qui permet de le faire en USB, donc ça m'emmerde un peu. Mais c'est vrai que si je pouvais le faire via USB, au moins on s'enlèverait cette épine du pied. J'avoue que SCR copie, j'avais vu passer une fois ça, ce truc-là, mais je sais plus si je fais ça. Display and control your Android device via USB. Ah bah en vrai, si ça peut se faire en USB, pourquoi pas, hein, moi je prends. Hein. Comment on fait du coup? Alors Android 5, ok, pas de problème. Xiaomi, on s'en bat les couilles. Tac, tac, tac. Donc après, on a quoi? Là, c'est quoi? S'il nous faut l'appli. Donc, il faut un truc qui s'exécute sous Linux. Oh là, sous Linux. Ok. Sous Windows. On a une version Win64, d'accord. Et donc après, on fait quoi? Faut le lancer, machin. Alors ouais, ok, et du coup derrière il faut faire quoi pour récupérer le...
que là, j'avoue, les vieux adaptateurs USB Ethernet marchent sous Android. J'en sais rien. Alors déjà, faudrait avoir un. En fait, le port USB sur Android, il n'est pas toujours utilisé dans tous les sens qu'on voudrait. Là où historiquement et pendant très long, depuis très longtemps, chez Apple, vous pouvez brancher les trucs au cul et via le protocole USB, ça vous fait des périphériques supplémentaires. Pendant pas mal de temps, c'était compliqué d'avoir ça sur Android. Et même typiquement, pendant très longtemps, on ne pouvait même pas brancher de clé USB au fion. Hein. Simplement. Ça a fini par se faire, mais c'est pas forcément gagné tout le temps. Alors ça, c'est l'installation, d'accord, mais après, comment ça marche, du coup? Ouais. Si je veux juste le live, si je veux pas le... Expose it as a webcam. Ah, ok. Ouais, mais ça, c'est Linux. Donc je m'en fous. Si on veut faire un clavier machin, etc. Ok. Ouais, bon. Bah en vrai, pourquoi pas tant enfin, c'est. Hop. Ouais, Mirror Device Screen, c'est tout à fait ce que je veux. J'ai pas besoin de capturer machin, etc. D'accord, ok. Ça, on s'en fout. On peut limiter le bitrate, ok. 8 mégabits seconde. De toute façon, l'USB 2, c'est 480, donc on s'en bat les couilles. Ok. On peut limiter le nombre d'FPS, d'accord. On peut forcer le. Non, la codec, vu l'âge du téléphone 2016, il doit supporter que l'âge 264. Et encore. Non, après, là, sur le téléphone, c'est principalement. Ah oui, non, j'ai pas spécialement envie de le brancher en Ethernet, hein, moi, le Wi-Fi. Là, typiquement, le Wi-Fi s'est pas amusé à couper pendant qu'on était en train de. Alors qu'on faisait rien. Là, il s'est mis à déconner parce qu'il avait trop chaud et. Et même là, avec la diffusion de l'écran, il est encore. Mais c'est vrai que si on pouvait le faire en USB, ça enlèverait une petite charge sur le réseau, ça pourrait aider un peu, peut-être, je sais pas. Après, comme je dis, hein, le téléphone, il est de 2016, hein, à un moment donné. Va pas y avoir de miracle. Mais j'avoue. Il y a un truc de release, c'est ça? Ok. Gamepad support, on s'en fout. Win64 2.7. Allez, juste pour ça, hein, après tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a beaucoup de trucs. Forcément, ça embarque ADB, quelle surprise. Ok. Alors, bah, du coup, il se passe. Alors, voyons voir. Non, on va faire. Alors déjà, je vais faire ça. Hop. On va se le foutre là. Donc là, si je fais ça, il va me lancer le script. Oh bah merde. Ok. Ok. Et donc là, bah du coup, je vais. Alors oui, merde, évidemment, ce con s'est éteint. Si je fais ça, je reviens là-dessus. Hop. On va arrêter la diffusion. Puis en vrai, bah hop, hein. Non, en vrai, on peut revenir là-dessus. Parce qu'on a la fenêtre là. Je peux réduire un peu la taille de la fenêtre. Oh, bah dis! Il y avait un launcher avec GUI par moment, mais plus maintenu.
Ouais, mais en vrai, là, voilà. Hein. Le fait est que, effectivement, on va se fermer ça. Ou alors, en vrai, vu que fenêtre, on va prendre l'onglet, on va le foutre là. Comme ça, on n'a plus qu'une seule fenêtre et on n'en parle plus. Pourquoi il a gueulé là? Il nous dit machin, fail to initialize audio opus. Ouais, potentiellement parce que le téléphone supporte pas l'opus. Mais ça, c'est pas très très grave. Exception de thread audio encodeur. De toute façon, on cherche pas à mobiliser le. Hop. Alors attendez, parce que ça a sonné alors que. Ok, je me fais troller par un pote. Je disais que l'ordinateur risquait de friser une paire de fois. Alors, paf, on va fermer ça. Eh ben, merci. Merci pour l'appli. Ce sera potentiellement beaucoup plus léger. Bon, ça me va. Du coup, que disais-je? Oui, alors, on a installé Termux. Termux. Dans le comment l'objectif initial de ce que j'avais annoncé la semaine dernière, c'était comment bidouiller avec son téléphone, avec bah, en l'occurrence une ligne de commande, tout simplement. Et qui a son propre gestionnaire de package. Et me dis pas qu'il va. C'est bon. Et du coup. D'accord. En fait, il est là, mais juste il parle pas dans le chat. Comment? Donc oui, ce que je disais, on a un gestionnaire de paquets qui techniquement est basé CAPT. Hein. En fait, CAPT, mais pour Termux, c'est comme si on avait un micro Debian dans le téléphone. Donc là, on va s'amuser à mouliner ce qui est déjà. Il y a quand même l'air d'avoir pas mal de choses, ce qui me paraît un peu chelou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Source.list. File on system created by you. File also in package provided by package maintainer. Bon, j'ai envie de remettre la version d'origine, enfin la version du maintainer, comme ça on n'y touche plus. Quoi qu'on peut vérifier la différence entre les deux. Allez, vas-y, fais voir la différence entre les deux. Malotru. Ah ben je t'avais vu, hein. Enfin, j'ai compris à un moment donné, hein, gros malin. donc, alors, on a les flèches, on a les flèches. Ah ben y a pas grand-chose en fait. Qu'est-ce qui nous. On a juste le domaine qui change, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah donc on va faire ça, puis on va prendre la version du package. Allez, hop. Parce que manifestement, il y a quand même quelques problèmes avec le truc d'origine. Donc voilà. Donc du coup, on en est là. Donc vous voyez, on a des. Comment? Par-dessus le clavier, il rajoute des touches spéciales. Donc on a le échappe, le contrôle, le alt. Et donc, alors après, moi j'ai fait le bourrin en mettant une ligne de tout de chiffres dédiés. J'aurais peut-être pu réduire un peu la taille parce que c'est vrai que l'écran n'est pas grand. Mais donc à partir de là, on peut faire potentiellement pas mal de choses. Hein. Comment? Et du coup, bah la première chose que je voulais faire, c'était. Alors ça, par contre, ça va être chiant parce que c'est vrai que du coup, ça garde pas la fenêtre. Limite, faudrait que je fasse au niveau de la scène OBS, faudrait que je fasse une capture de fenêtre dédiée. Hein. On va pas se mentir, ce sera plus simple.
Mais on va tenter de. Parce que. Ben oui, parce qu'on est quand même sous Windows 11 et qu'il ne supporte toujours pas le fait de garder une fenêtre par-dessus toutes les autres. Donc pour la blague, j'ai envie de tenter. Alors je sais pas si. Est-ce que j'ai. Python. On va faire. DPKG, ça marche, hein, je crois. Hein. On a la tabulation. Oui. Alors, DPKG. Le tiret, il est là. Tiret L. Le pipe. Alors, lui, par contre, je sais pas où il est. Ouais, il va être masqué derrière les caractères spéciaux. Il est là. Grep. Si je cherche Venv. Je l'ai pas. Alors on va tenter apt install python tiret venv. Je sais pas. J'ai prévu de m'intéresser au génial python 3 du coup. Peut-être. Non plus. En même temps, vous voyez, APT et PKG, ça marche. Donc, ça marche pareil. Le vieux réflexe. Search Python 3. Ok. Il n'y a pas de Python? Non, parce que j'ai refait les. Je suis con. Je refasse un APT update, c'est ça? Et là, si je fais mon search, je. Non, bah, il le connaît pas pour autant. Ouais, les Power Toys, j'ai prévu de m'y intéresser parce que j'ai vu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Ils ont rajouté quelque chose qui m'avait chatouillé. C'était quoi? C'était quoi? Je me souviens plus. Alors, hop. Ça va être quoi? Non, c'est pas ça. Comment je. On a un truc qui ressemble à un product. Juste un truc qui a été pas. Qui est pas un issue. Ah non, c'est issue. Ah, ouais. Je me souviens plus. Je me souviens plus, je me souviens plus. Est-ce que j'aurais pas encore l'onglet qui traîne quelque part là par rapport au Power Toys? Oui, voilà, c'est ça. C'était l'idée de créer un dossier à partir d'un modèle, c'est-à-dire je crée un dossier et à l'intérieur, il me fout déjà, je peux déjà lui dire de me créer une série de fichiers. Et typiquement, c'est quelque chose que je voulais tester, notamment quand je gère les replays de stream. Où je range le fichier d'origine dans un dossier, j'ai un fichier avec la description vidéo, j'ai un fichier avec j'ai le la copie du la copie de mon squelette de pour les miniatures qui est aussi dans le dossier, avec derrière à la fin, bon ça de toute façon c'est moi qui dois le faire, mais les exports des miniatures. Alors est-ce que je peux. Ouais, je vais faire le bourrin. Alors comment j'ai pu installer ça? Comment j'ai pu. Ou alors en fait il fait partie du truc d'origine. Tiens d'ailleurs j'ai une faute de frappe dans le dans l'article. Alors on va y aller, on va faire le truc comme il présente. Mais oui, il me semble que dans les Power Toys, il y a aussi d'autres trucs. Alors, je sais pas si au niveau de. Il y a quoi là-dedans? Il y a New Plus. Je crois que c'est ça, un New Plus, c'est le machin qui permet, voilà, à partir d'un un ensemble personnalisé de modèles. Donc en fait, je crée le modèle et après je peux créer le dossier directement à partir de ça.
Après, on a quoi? Donc, vidéoconférence mute, non, on s'en fout. Power rename, non. Power Toys Run, non. Resizer, File Explorer add-on, non plus. Always on top. Ah ouais, bah oui, donc il y a. Ok. Ok. Bon, après, là, comme c'est Microsoft, je sais pas si je vais l'installer tout de suite. Il est capable de me demander de redémarrer après la fin de l'installation des Power Toys, parce que c'est Microsoft. Donc, je vais pas prendre le risque de le faire ce soir, mais pareil, encore, je note, et puis bah, ça me permettra de l'avoir pour la prochaine fois. Du coup, revenons là. Alors, je ne trouvais pas... Donc, j'ai essayé de chercher le modèle V1, le mode V1, mais je l'ai toujours pas, donc du coup, je vais voir si... Je vais voir si je peux faire... Alors, l'idée, c'était... Pouf... Putain, ça va être relou. Hein. Ça va vraiment être relou pour vous. Et en plus, alors on va le faire autrement. On va faire desktop smartphone. On va se masquer ça. On va se rajouter une petite source capture de fenêtre. Smartphone SCR copie. Rendre la source visible. Il a la fenêtre, c'est parfait. Méthode de capture. On y va. Let's go. Je vais mettre ça là. Comme ça, maintenant, on s'en fout si la fenêtre... Elle est plan. Ah ben, on va la mettre là, alors. Et voyons voir ce que ça donne pour vous. Est-ce que vous voyez toujours aussi clair dans le truc ou pas? Ouais, c'est un peu petit du coup. C'est un petit peu petit. Je peux agrandir un peu. Ouais. Si je remets la fenêtre là. Non, ça change rien pour vous. Ouais, ça pourrait être plus grand. Hein. Ça pourrait être plus grand. Je sais pas si je peux zoomer un peu le truc. Oh putain, le clavier passe dans la fenêtre. Mais non. Mais si. Oh, mais c'est banger. C'est banger parce que du coup je peux faire ça. Hop. Du coup je peux réagrandir un peu. C'est encore visible pour vous ou pas? Ouais, mais en fait, si je l'affiche deux fois, c'est un peu dégueulasse. Alors, pour moi, je peux le mettre là. Vous, ça change rien. Enfin, à part que je l'ai placé n'importe comment. Putain, il faut me prévenir quand je fais ce genre de conneries. Si je fais ça, à la limite, je masque le clavier spécial parce qu'on s'en fout. Je peux agrandir un peu la fenêtre. Hop. Je vais refaire ça, un petit filtre. Hop. Ouais. Ouais, c'est un chouïa moins dégueulasse. Bon. Et du coup, j'ai la fenêtre qui est là. Est-ce que... Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors. Où est-ce qu'on en était du coup? V11.
C'est juste que t'as un petit écran. Ouais, non, mais clairement, mais dis-toi que la semaine dernière, c'était, ça aurait pu être encore pire. C'est vrai que sur la toute fin du live, on a réussi à. Enfin, j'ai découvert que je pouvais changer le ratio, le DPI en live, c'est-à-dire sans avoir besoin de redémarrer la session ou quoi que ce soit, dans Windows 11. Donc ça, c'est un petit truc vachement sympa. Moralité, je l'ai scripté, et ça me permet de pouvoir zoomer du coup l'intégralité de l'écran que je stream sans avoir à rebidouiller à chaque fois. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'était avant de démarrer le live, il fallait que je pense à mettre le zoom à 133 dans Firefox. Le problème, c'est que ça zoomait que le contenu des sites et pas l'interface autour. Pareil dans l'explorateur Windows. Je pouvais rien faire. Dans le terminal, je zoomais, mais j'avais que du coup que le contenu du terminal et pas ce qu'il y a autour. Dans Sublime Text, j'en parle même pas, c'est pareil. Et là, l'avantage, c'est que je zoome l'intégralité de l'interface. Donc pour vous, c'est bonnard. Comment? Et donc là, du coup, bah, la fenêtre du OnePlus, ouais, c'est mieux quand même, hein. On va pas se mentir, par contre, il m'a remis le. Voilà. Il m'a remis le clavier, donc on va virer. On va virer le clavier. Alors. Donc là, déjà, c'est un peu plus lisible. Mais en vrai, du coup, j'ai l'impression que tout est bien sauf le chat. Le chat est vraiment minuscule. Donc il faudrait que je corrige ça aussi. Bon, ça se fait facilement. Allez, hop, ça, on va le faire en live là. Hop, vite fait. Chat Twitch. Est-ce que j'ai un truc là? Body Selector, machin. Est-ce que j'ai un. Ah, j'ai pas de. Tiens, intéressant. À part le CSS personnalisé pour changer la. Comment? Le background des compagnies. J'ai rien pour le. Pour zoomer le truc. Intéressant. Je peux. J'ai une transformation que je pourrais appliquer. Rotation, 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 adapter à l'écran et tirer à l'écran. Non. Bon, bah faut. Faudra que je bosse ça. Faudra que je bosse ça. Alors. Ah oui, c'est si je clique sur la fenêtre, du coup, il me remet sur le. D'accord, ok. Donc faut que je fasse gaffe à ça. Alors, je comprends mieux. Du coup, on va revenir là-dessus. Alors. Mais le fait est que oui, j'avais pas. Enfin voilà. Après avoir eu ce dernier retour, j'ai trouvé un petit outil. Bah, c'est dans le replay, dans les liens sur YouTube notamment. Un petit outil qui s'appelle setDPI qui permet de scripter du coup le fait de changer l'interface à la volée. En réalité, je me suis scripté ça dans le Stream Deck. C'est plutôt rigolo. Nous disions donc, alors, j'ai fait quoi? Donc j'ai créé le dossier vEnv. Du coup. Ouais, ben il n'est pas installé, Python. Hein. Alors si je fais apt install Python. On va y aller comme ça, il nous fait quoi? Il nous installe Clang, LLVM, oh la vache. Python, Python pip, parfait. Let's go. Alors étant donné l'âge du téléphone, je m'attends pas à des miracles parce qu'il doit être en Wi-Fi 2.4 seulement, en 2.4 GHz. Et vu les saturations dans le coin, voilà, je m'attends pas à des débits de furieux. C'est déjà pas mal là, honnêtement, on va pas se mentir. Je vais vérifier un truc, mais il me semble que sur. On n'aura peut-être pas le temps de le faire ce soir, mais. Hop. C'est que moi, sur mon téléphone à moi. Ouais, c'est ça, j'ai réussi à installer Starship.
pour le shell. Parce que là, on est sur un shell par défaut. Et je crois même qu'il est... Il est installé. Enfin, il est disponible, donc je peux installer Starship et le faire tourner, donc c'est rigolo. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Alors... Oui, donc du coup... On a bien... Python 3.12! Oula! Ok, alors du coup, est-ce qu'il embarque directement? Le module V1 va. Eh ben oui, ok. Donc en fait, ça servait à rien de le chercher pour une installation indépendante. Il est directement embarqué dans le packaging qui est fait pour la pour Termux. Ok. Ça me va très bien, on va pas se mentir. Ouais, par contre, le fait est que bah, tout est lent. Tout est lent. Alors, source.venv, Ansible bin, activate. Ok, pip install pip. Non. On va mettre will aussi, hein, histoire de faire ça bien. Hop. Ok, ok. Donc, a priori. Pip est déjà à jour. Parfait. Et donc là, on va voir que normalement... alors, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, quand je l'ai testé l'année dernière, voilà, l'article dit qu'on avait pas mal de problèmes. Et... Tiens, d'ailleurs, bah, pour la petite histoire, j'avais fait ce truc-là dans le TGV en allant chez un certain Spell. comment? Et du coup, voilà, il y avait quelques difficultés qui étaient notamment liées à cet écrit Python cryptographie, je crois, qui en fait techniquement est maintenant un module en Rust, il me semble. C'est vrai que j'étais resté un peu léger, mais... Alors je vais voir hein, si ça se trouve, en fait, depuis, ils ont revu le packaging, et... non, c'est ça, voilà. Et ça, c'est du Rust, et quand il va tenter de le builder, normalement, il va me péter à la gueule. Il va peut-être même me péter à la gueule plutôt que prévu. Quand le truc a décidé d'arrêter de mouliner, non, c'est juste qu'il est en train de crever. Donc on est, ouais. Je sais pas si je vais réussir à reproduire les mêmes erreurs qu'à l'époque. Oh ouais, tain, il a tellement du mal. C'est quelque chose, hein. Alors, pendant qu'il pleure du sang, je vais regarder vite fait si je peux pas. Oui, voilà. Donc on voit qu'il n'arrive pas à récupérer ses CFI, machin, etc. Donc il va falloir que je les... Il faut que je les installe. Alors... Tu m'emmerdes avec ta fenêtre, là. Chat container, background color... Ok. Je sais pas, un truc qui s'appelle genre...
font size de points 120%. Truc dans le genre, ça marche ça? Ouh! Non, ça marche pas du tout. Si! C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. Bon. Et en plus, ça l'a réinitialisé. Génial. Oh, quel enfer. Bon, c'est pas grave. Hop, allez. On va continuer. Enfin, je vérifie, hein, mais... Ouais, allez, on va dire que ça passe. En vrai, il faudrait que je me penche un peu plus sur le style, du chat, parce que franchement... donc, revenons à nos moutons. Alors, donc il nous a dit, gna gna gna, subséquent de problème. Donc, on a quoi, là? Oula, là, on a beaucoup de beaucoup trop de choses. Il nous dit que le subprocess est mort, donc c'est pour cryptographie. Donc, il a tenté d'installer Maturin. A priori plus ou moins passé. Là, il a tenté un setup tools, mais c'est pas passé. Non, même pas. Maturin, qui demandait les autres trucs, n'est pas passé non plus, parce que le libify est pas passé. Donc, du coup, bah, on va tenter de faire... On va rejouer hein, un PKG install. Donc, c'est... Build Essentials, comme ça, si jamais il manque des trucs... Bah, on va les régler, hein, tout simplement. OpenSSL. OpenSSL, normalement, il est déjà installé. Libffi, et je sais déjà qu'il faut installer Rust. Donc, du coup, on va y aller. Donc, Build Essentials, il ne le retrouve pas. Mais voyons. Alors... Comment ça, il le retrouve pas? Parce qu'il n'y a pas de S à Build Essentials. Quel enfer. Hop. Alors, il nous dit qu'il y a des packages supplémentaires. Autoconf, Automake, Bison. CMake. D'accord. Il va réinstaller un paquet de trucs. Ça va être quelque chose. Et Rust, il va installer le 1.81. Bon, juste pour la blague, on en est à quelle version de Rust? 1.81. Donc on a la toute dernière version d'installer. Je ne sais pas comment ça va se passer, on va bien voir. Ça, je sais que c'est un truc qui bouge relativement pas mal, et ça fait d'ailleurs râler un peu les développeurs du noyau Linux. Non, j'ai pas besoin du clavier. Hop, merci. Du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On disait... Houston, on a besoin... Là, on refait le install, en fait. Le pip install Ansible. Normalement, on est censé avoir tout ce qu'il nous faut. Ah oui, non, bah non, non. Non, non, il nous manque les variables. Bon, bah tant pis, on va aller voir jusqu'où ça va, mais... Là, cette fois, il a pas besoin de... il a plus besoin de télécharger quoi que ce soit, normalement. Il est censé avoir déjà... Ah oui, mais le problème, c'est qu'il va mouliner des trucs en arrière-plan. Parce que normalement... Ah oui, mais comme il a déjà... Ok, comme il a merdé les trucs... Ok, donc là, il rejoue les... Bon, il rejoue les trucs.
C'est vrai que j'aurais dû remettre le Rust Flag et le Cargo Bill. Je voulais remontrer les erreurs que j'avais eues à l'époque pour montrer que voilà, c'était pas. Et en fait, bah voilà, moi je faisais ça dans le TGV, donc c'était pas le truc le plus intelligent du monde, parce que la stabilité du réseau, c'était vraiment pas ça. Et donc. Et du coup, ça m'a pris vraiment un peu de temps pour réussir à faire tout fonctionner. Est-ce que... Ouais. Alors du coup, ouais, en attendant, parce que là je vois que ça... Bon, c'est... Couleur du sang. Et on voit que le réseau coupe pas, hein. Donc c'est vraiment que, en fait, le transfert réseau HTTP stream plus machin, donc encore merci, hein, pour le... Du coup, pour le SCR copy, là, ça me change la vie, cette histoire. Donc, je... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Le... Comment? Il y a tout plein de possibilités. Oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, le téléphone Android, on peut vraiment l'utiliser sans compte Google. Mais alors, voilà, de temps en temps, par exemple, faut s'attendre à ce que il y ait des problèmes avec un Aurora Store. Typiquement, à une époque, on a eu des soucis avec la WebView, Android WebView, où Google s'est mis à découper le package et à ne pas documenter le téléchargement de Trichrome, qui est un composant qui fait partie de la WebView. Et donc, lui, le Play Store faisait ça en arrière-plan, sans prévenir personne, sans tout masquer pour prévenir justement. Et donc, quand on téléchargeait le package, il voulait pas s'installer parce qu'il lui manquait une dépendance. Donc les devs d'Aurora Store ont réussi par trouver comment, enfin que Google faisait ça, dans le dos de tout le monde. Juste pour faire chier les gens qui téléchargeaient l'APK de la WebView, hein, c'était vraiment... la WebView c'est chiant, enfin c'est quand même un composant qui est quand même très utilisé dans tout le système et dans plein d'applications Android. Donc du coup ils ont dit, bon bah, vous savez quoi On va les faire chier, et s'ils passent pas par le Play Store, voilà, ils vont avoir de, ils vont se faire emmerder. Et ça a mis 3 ou 4 mois, je crois, pour trouver une solution quand même. Stable. C'est pas. Pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde, parce que voilà, il y a des trucs comme ça. Alors, chose qu'on n'a pas eu à expérimenter, et que j'ai pas expérimenté non plus, parce que mon téléphone, j'ai quand même la version d'Android fournie par Fairphone. Parce que c'est mon téléphone au quotidien, c'est un Fairphone 4. Dont d'ailleurs je vais pas tarder à devoir peut-être racheter une batterie parce qu'il commence à souffrir. Je m'en sers beaucoup et du coup la batterie commence à donner des signes de fatigue. C'est que là typiquement j'ai installé Lineage et par défaut il n'y a pas de Google Play Services. Sauf qu'il y a des applications du Play Store qui les demandent. Donc si elles n'y sont pas, vous téléchargez via Aurora l'application qui repose sur les Google Play Services, vous démarrez l'application, elle ne veut pas se lancer. Et au mieux, vous avez un message d'erreur, plus ou moins cryptique. Au pire, juste il ne se passe rien. Parce que ça, c'est possible aussi. L'application ne se lance pas, mais on ne vous dit pas qu'elle ne se lance pas et on ne vous dit pas pourquoi. Donc, c'est pas foufou. Ok, il est toujours vivant, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il mouline de ouf pour tenter la compilation de la cryptographie. Donc oui, voilà, c'est pas parfait. C'est pour ça que j'ai du mal à le recommander, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Faut être prêt à accepter de dire à un moment donné on va installer des applications de source qui ne sont pas du Play Store.
Parce que même s'il est à relativiser, le discours officiel de Google dit bah oui, mais vous passez par le Play Store, on vous protège. Parce qu'on surveille les applications malveillantes, machin. Si vous installez d'ailleurs, on peut plus contrôler. C'est aussi la justification de Microsoft pour forcer à utiliser un compte Microsoft sur son ordinateur. Il y a Optenium pour trouver des apps un peu partout, je crois. Bah ouais, mais bon. En l'occurrence, là, sur Lineage et le truc des Play Services, ils le disent clairement dans la documentation, ils proposent d'installer OpenGApps, qui est une façade factice à pas mal de services de... où on fait des trucs de merde, de tracking, notamment pour la publicité et la télémétrie et tout, j'en passe, où en fait, ils affichent juste que les API sont là, mais derrière, il n'y a aucune mécanique, C'est le décor de cinéma où il y a la façade avec trois bastins derrière pour tenir la façade à la verticale, quoi. Il y a vraiment rien de... Alors là, ça va beaucoup plus loin, mais putain, ça mouline quand même de ouf, hein. J'avais oublié que le téléphone était aussi lent. Alors si ça se trouve, on n'a plus besoin des flags parce qu'il les a trouvés tout seuls. Il est juste en train de finir de builder cryptographie de bout en bout. Alors, on profite parce que j'ai pas mal soif. Je vais regarder un petit peu comment fonctionne Optenium, du coup, pour la blague, après tout. Alors, Optenium, il nous dit Android apps update straight from the source. Ok. Directly des release pages, d'accord, receive notification. Ah ouais, donc c'est... Ouais. Ah, quand même, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même Comment dire? Il y a quand même un gros manquant, là. Hein. C'est Google Play Store. Parce que je veux pas. Aptoide, c'est quand même bon. C'est pas le magasin le plus, on va dire, avec les fesses les plus propres du monde. Historiquement, monsieur aime bien foutre des applis gratos alors qu'on est censé les payer. Historiquement, hein. Ça a peut-être un peu changé depuis, hein, mais voilà. Et des applis qui sont censées être payantes et qui deviennent gratuites, généralement, ça cache des choses. Il n'y a qu'à voir tous les cracks de jeux vidéo récents. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu de mise à jour des statistiques, mais il y a 6-7 ans. Je crois que c'était Torrent Freak où ils avaient tenté de faire une étude où ils estimaient que 90% des jeux piratés qu'on trouvait, notamment sur BitTorrent et compagnie, les cracks étaient frelatés avec du mineur de crypto, du spyware, du tout ce qu'on veut. Et alors qu'en vrai, maintenant, avec des boutiques comme GOG ou Steam, on trouve une quantité de jeux à pas cher. Suffit d'attendre un peu, en fait. Le problème, c'est qu'il faut arrêter d'être un drogué au jeu dès leur sortie, déjà parce que maintenant quasiment tous les jeux sortent pas finis. Et du coup, en attendant un peu, non seulement ils sont finis, mais en plus ils sont parfois 90% moins chers à la faveur d'une grosse solde. Et si on est sur GOG, en plus il n'y a même pas de DRM dessus. Alors, on va se faire chier et aller pirater les jeux. Bon, en fait, c'est un peu la même chose avec les applications. Le seul truc, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui sont... Mais d'accord, je vois le truc. Alors, le fait est que ça marche bien pour des applications qui vont fournir, je pense, directement les APK sur leur dépôt...
GitHub, GitLab ou ce genre de choses. Je vois que ça fait surcouche à F-Droid aussi. Pourquoi pas? Mais je serais curieux de voir. Le problème, c'est qu'il est toujours en train de pleurer du sang à compiler cryptographie, là. Il est chaud comme pas permis. Je vais éviter de lui en demander trop. Ah, mais on peut l'installer par F-Droid. Ah, donc c'est... on peut l'installer par F-Droid et derrière, ça peut servir de surcouche à F-Droid. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais... mais j'avoue, du coup... oui, d'accord, c'est les liens vers les trucs officiels. D'accord. Donc c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal pour les applis open source. Pour les applis plus généralistes, bon... ouais, je suis moins fan du truc. APK pur, c'est quoi leur positionnement en vrai, d'accord, donc c'est aussi une boutique, appli, machin, etc. On peut récupérer les WhatsApp et compagnie. Alors comment ils fonctionnent application, jeu. Non, je m'en fous. Installer un APK, vérification de la signature, soumettre un APK. À propos. Ouais. Ok, mission, provided safer, better and faster software, on s'en fout. Alors, il nous dit qu'APK pur n'est pas affilié à Google, mais alors du coup... ouais, donc on est quand même sur quelque chose de pas... Ils nous disent que c'est les mêmes appliqués, c'est les mêmes APK que chez Google Play. Le problème, c'est que pour faire ça, ça veut dire qu'ils récupèrent les APK du Google Play pour les publier eux-mêmes. Hop là. Il est toujours en train de bosser. Hein. Il est toujours... Enfin, il... Donc en gros, ils sont plus ou moins aussi dans l'illégalité par rapport aux conditions d'utilisation de Google que n'importe qui d'autre, même en passant par Aura. Parce que s'ils font ça, bah, typiquement en proposant Instagram, WhatsApp et compagnie, eux, à part publier sur... allez, on va dire le Play Store, éventuellement le store de Samsung, on va le dire comme ça, je crois, le store de Huawei peut-être. Donc ça fait trois stores, on va dire officiels entre guillemets, pour Android. Et clairement, il n'y en a aucun qui dit récupérez l'appli chez nous et remettez-la chez vous, il n'y a pas de souci. Ça, j'y crois pas une seconde. Donc, parce que le but du jeu, à chaque fois, c'est de récolter des données d'utilisation, des données perso, officiellement sous couvert de sécurité. Et, comment ? Mais dans la pratique, voilà. Donc, je suis pas... Comment dire ? Voilà, je suis pas ultra fan du truc. Alors, par contre, ce qui peut être intéressant sur les applis open source, pour celles qui publient des APK, donc qui construisent eux-mêmes l'APK pour le publier... dans leur release, que ce soit sur Codeberge, GitLab, GitHub, c'est que, en fait, ça c'est un débat qu'il y avait eu à une époque, notamment avec Firefox, ou VLC, je sais plus, il y avait des... comment ? En fait, F-Droid part du principe qu'ils doivent pouvoir reconstruire l'application eux-mêmes, pour la publier sur le store. Ils sont pas juste en passe-plat d'APK de l'équipe qui gère le projet logiciel. Ils veulent pouvoir rebuilder l'appli eux-mêmes pour la proposer. Sauf que pendant très longtemps, ils utilisaient des serveurs avec des versions de langage, de compilateur, etc. qui étaient antédiluviennes. Et moralité, il y a plein d'applis qui buildaient pas et tout le monde leur gueulait dessus parce que ils voulaient...
ils proposaient pas les applications. Ils disent, ben non, en fait, c'est aux applications de faire en sorte qu'on puisse builder avec notre vieux papy. Mais non, à un moment donné, les développeurs, ils veulent essayer d'avoir des trucs plus performants. Donc, ils prennent des versions récentes de logiciels et de bibliothèques. Et donc, il faut pouvoir builder avec. Et donc, il y a eu un débat là-dessus. Je sais pas trop si, dans quel sens ça a évolué. Mais c'est pour ça qu'il y a quelques applis open source particulièrement populaires qu'on ne trouve pas sur F-Droid, parce que les mecs ne veulent pas mettre à jour leur chaîne de compilation pour builder l'application récente. Donc de ce côté-là, si le projet, si l'équipe qui développe l'appli propose directement l'APK où ils ont buildé avec leur version à eux, et que c'est dispo sur GitHub, du coup Optanium peut être très intéressant de ce côté-là. Et donc j'avoue que ça me plaît pas mal. Après, je sais pas dans quelle mesure. Non, le problème c'est que j'aimerais bien qu'il... Bon, il a l'air de compiler hein, pour me gaver à ce point-là, vu comment il est lent. Mais je me suis peut-être lancé dans un piège là. Ça fait quand même un bout de temps qu'on l'a lancé et du coup ça n'avance pas. J'ai pas envie de lancer un give-up non plus alors qu'il a déjà fait peut-être 70% du boulot. Le problème c'est qu'il le masque, hein. Il masque la progression. Pour essayer d'autres trucs, notamment je voulais tester ASDF. Sur Termux, parce que ça je l'ai pas encore fait je crois sur mon téléphone, et donc l'idée c'est de pouvoir tester d'installer des petites applis comme Terraform, comme Starship. On a vu qu'il était déjà packagé, donc je vais pas m'emmerder, je vais l'installer depuis les packages et comment, et je vais y arriver. Puis d'autres petits outils à la con, peut-être type Kubernetes, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, ce que je peux faire par contre, du coup, peut-être en attendant. Est-ce que. Hop. C'est lent. Hein. Ça marche, ça? Non. Ok, bon, ça marche. Ok. Et après, je fais ça. Oui, ça marche. Oui. Non, mais en fait, il mouline un petit peu. Je le vois hein, de temps en temps. Il mouline encore, mais j'avoue que. Mais ouais, j'ai pas moyen d'avoir la température là. Mais en vrai, pour rigoler, je pourrais essayer de le. Non, je sais même pas où il est rangé. De choper mon thermomètre. Numérique et puis hop, essayer de lui mettre au dos, parce que là derrière c'est ici là, bah, c'est là où il y a le cerveau, hein. C'est bouillant, hein. C'est bouillant. Ok. Ok, donc du coup il a pris l'IP en 30. J'ai foutu en dynamique. Juste revérifier que le SSH fonctionne à côté. Oui, voilà.
Ok. Parce que l'idée, c'est éventuellement... Ah, à moins que... Est-ce que je peux faire un... une deuxième session à côté? Histoire de le faire mourir. On va tenter un truc. Je peux pas... Parce qu'il dit qu'il y a une session... Ouais, vous voyez bien ça, ouais, ok. Parce qu'en vrai, il dit une session, mais j'arrive pas à... Je sais pas comment je peux créer un... On peut faire un contrôle N ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Comment ça marche, Termux? Dark theme, full screen, terminal session. Alors, contrôle T. Est-ce que contrôle T ça marche du coup? Non. Ne marche pas. Non, je peux faire peut-être un contrôle 2 ou un truc comme ça, non plus. Contrôle N ne passe pas. Hop, il m'a mis un petit anti-slash parce qu'il continue de bosser pendant ce temps-là. Donc en fait, c'est supporté, mais il faut que je crée les raccourcis. Pour pouvoir les utiliser. Et par défaut, ils sont pas activés. Donc pour l'instant, j'ai qu'une session. Et bah tant pis, hein. Ça m'apprendra, mais l'idée, c'est qu'on peut avoir plusieurs sessions et qu'on peut basculer entre les sessions. Donc ça peut être intéressant si on fait un truc. Et là, tu vois, il est repassé en anti-slash. Je sens que j'ai un truc qui. Hop, et puis je vais faire ça pour vous épargner le bruit. Voilà. Hop. Bon, bah, et dis donc, piège à con là, ça fait combien? 20 minutes qu'on y est? On n'est quand même pas sur l'Intel 4004 qui a mis 4 jours pour démarrer Linux là. J'ose même pas imaginer si à la fin il nous cale une erreur. Sinon je laisse tomber hein, et puis je le relancerai demain. Bon, l'idée c'est que voilà. A priori ça a l'air d'être un poil plus simple parce que honnêtement l'erreur de build. Avec les flags Rust et compagnie, moi je l'ai chopé beaucoup plus tôt que... Même avec mon téléphone plus récent, j'ai pas mis 20 minutes à choper l'erreur. Donc du coup, je pense que... Je pense que ouais, en fait, il arriverait jusqu'au bout, mais là, bon... Parce qu'en fait, on voit, mine de rien, dans les paquets qui ont été installés, je sais pas si vous voyez, mais... On a le... Comment? Il est où? Il est là. Rust, STD, ARM V7, Linux, Android. Et ça, moi, je l'avais pas à l'époque. C'est pour ça qu'il fallait faire le cargo build target Arch 64 Linux Android. Parce qu'en plus, j'étais sur Android avec du... Bah, c'est du... Arch machin, là. Et donc du coup, parce que là je vois qu'il est déjà 11h moins le quart, j'ai quand même envie de bidouiller 2-3 autres trucs.
On nous dit c'est du curl et du git. Ok. Et après, le plus simple, c'est de cloner, de le foutre dans tilde la SDF. Ok. Ok, ok. Ouais, bon. Allez. Tant pis. Je sais, tu fais chier, mais à un moment donné, c'est trop long. Du coup. Allez, parce qu'il a envie de relancer les trucs. Hop. Tiens, il nous installe OpenSSH qu'on n'avait pas encore. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ça me va. On va virer. Hop. Alors, du coup, git clone https://github.com/sdf-vm/sdf.git-sdf. --branch v0.14.1. Alors, aucun point. Let's go. Ok, donc là on a fait un git switch machin, etc. Donc on sait jusque là tout va bien. Alors maintenant, est-ce que je suis bien dans un bash, hein? Oui. Pardon. J'ai même pas de fichier bashrc. Mais voyons. Eh ben, on va s'en créer un. On va s'en créer un parce que... Parce qu'en fait, il va falloir qu'on se rajoute ça dans le truc. Bah, allons-y directement. Hein, on va pas s'emmerder. Alors... Ah. Je vais pas l'avoir. Bah oui. Allez hop. Vital Vim. Imaginez quand même, hein. Vim sur téléphone. Si quand même on n'est pas arrivé à des niveaux de geekerie, hein. Bon déjà un terminal, j'en parle même pas, mais. Et ça, ça va marcher ou pas? Non, ça va pas marcher. Ouais, donc en fait, il faut que je. Insère. On va rajouter un commentaire. ASDF VM. Alors moi j'aime bien toujours rajouter un petit fichier. Je vais m'enlever la surbrillance là parce que du coup je vois plus rien. If-f. Du coup c'est $home/.sdf/sdf.sh. En virgule zen point. Alors là j'ai fait une belle connerie. Hop, voilà. Hop, zen source. On va mettre $home/.sdf/sdf.sh. Puis après on va se rajouter le source $home/.sdf complétion très pratique sdf.dash. Hop, voilà, donc déjà ça. Alors maintenant si je fais ça, voilà, là il a fermé. Oh, on a la navigation clavier dans Android, c'est cool ça. Voilà, et donc là, j'ai tapé les deux premières lettres, j'ai fait tabulation, et donc j'ai bien la commande ASDF. Et du coup, on va pouvoir commencer certains trucs. Par quoi je voulais commencer? Un petit binaire à la con qui serait pas forcément ultra lié. Bon, si en soi... Faire plugin add Terraform.
Admettons que vous vouliez faire de l'infra-ascode à partir de... Voilà. À un moment donné, je m'étais posé la question de gérer tous mes alias DNS. DNS, hein, pas les alias de mail. Les alias de mail, j'ai déjà fait du live là-dessus, deux même. Pour le faire en Python. Parce que justement, ce n'est pas dans Provider OVH et les mainteneurs m'ont gentiment envoyé paître en disant c'est pas dans nos priorités, au revoir. Du coup, SDF, list all, terraform. Ah. Terra. On va voir s'il détecte bien tout ce qui est. Comment ? Tout ce qui est architecture, etc. Et on va voir s'il le prend bien. Donc là, il a pris un Linux ARM. On n'est pas sur un Linux ARM 64. Faut croiser les doigts pour que ça... Alors, le bug. 1.9.7. Et ben, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc en fait, on peut utiliser Terraform sur son téléphone Android. Voilà. Bon, et donc j'imagine que... Alors moi, typiquement, par exemple, là, on vient de voir que c'est du... Si je fais un cat slash proc slash cpu info, ça marche, ça? Oui. On est sur un Qualcomm MSM 8974 Pro, et je crois que celui-là... voilà, c'est du ARM V7, donc c'est du ARM 32 bits. Quad-core. Ça, c'est cool, mais du coup, c'est quand même du 32 bits. Et de 2016, donc en fait vous pouvez avoir des applications récentes qui ne fonctionneront pas, tout simplement qui ne fonctionneront pas parce que pas de comment, parce que pas de version 32 bits ARM, tout simplement. Typiquement, est-ce que... On va aller voir ça. Est-ce que ça, il va trouver? Bon, a priori, CubeCTL, ils ont aussi une version 32 bits, pas de bol. Non, qui c'est qui m'a emmerdé? J'avais dit, c'était... Non, c'était Minayo, mais c'était pour les images Docker. Donc, je pourrais pas non plus... Est-ce qu'on a une idée, là, tout de suite, de ce qui pourrait... Et du coup, on a bien CubeCTL 1.35 Terraform, ok. Est-ce que QBNS il propose... Oui, eux, ils proposent aussi en ARM V7. D'accord. Ah oui, ils proposent en beaucoup trop de... Alors, on a quoi? On a du iOS ARM 64, on a du iOS 64 bits Pro Intel, on a du Linux en ARM 64, on a du Linux... ArmHF, c'est quoi? C'est du ARM V6, ça? Si je dis pas de bêtises.
ARM V7 en 32 bits aussi, du coup, hein, les deux. PowerPC 64. S390X. Putain, la vache. Ok. Linux AMD 64. On a Windows ARM 64. D'accord. Ça, c'est cool. Même si je suis pas fan de la gueule que c'est en train de prendre, puisque c'est en train de prendre une tournure très... très appelienne avec des plateformes au driver 100% proprio. On est en train de pleurer du sang pour essayer de les faire tourner sous Linux. Ok, ok. Putain, c'est... D'accord. Alors par contre, c'est quoi ça? Darwin, ARM 64.tar.gz. Donc là, on a un truc qui a 10 000 kilos et là, on a un truc qui a 9 mégas. C'est à Qualcomm de faire le job. Ah, mais Qualcomm n'en a absolument rien à branler. Je sais pas si on se rend compte à quel point ils font absolument partie des plus gros problèmes qui se posent dans l'univers Android sur la durée de vie des plateformes. C'est parce qu'ils en ont absolument rien à branler. Et le problème, c'est que les autres fabricants sont pas beaucoup, beaucoup mieux à côté. S'il n'y a pas des boîtes dédiées pour faire le boulot sans support de l'entreprise d'origine, c'est compliqué. Et même là, tu vois, typiquement, mon téléphone, je suis sur Android 11. Et on avait regardé dans le détail du sous-jacent. Bah, en fait, j'ai un noyau qui remonte à Android 6. Parce qu'en fait, pour ce processeur-là, Qualcomm a dit, bah non, je ferai pas de driver pour les versions plus récentes du noyau et d'Android. Donc si vous voulez quelque chose de plus récent, bah achetez mes nouveaux processeurs et comme ça, vous aurez des versions plus récentes d'Android. Donc, le fabricant du téléphone, lui, il a pas beaucoup de solutions là-dessus. Déjà que de base, ils sont pas très... Hein, hein. Même pour gérer juste les versions de sécurité, ils sont pas... Hein, ils sont pas dingues. Mais là, encore en plus, de toute façon, au niveau matériel, c'est pas mieux. Donc, moi, je sais que mon téléphone, par exemple, à peine il était sorti, ils ont été obligés d'annoncer de l'abandonner au bout de 10 mois seulement. À cause de Qualcomm. Parce que le fameux MSM machin, etc. Là, ils n'ont jamais proposé de driver pour des noyaux plus récents que celui qui était embarqué dans Android 6. Donc là, j'ai une espèce de gloubi-boulga de Frankenstein entre, on va dire, le cœur-poumon d'Android 6 avec tout le reste d'Android 11 par-dessus. Et pouf pouf, c'est censé marcher. Dans la pratique, ça marche. Pas trop mal. On a vu qu'il y a quand même des galères tout à l'heure avec la chaleur, mais globalement, on n'a pas non plus à se plaindre tant que ça. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Allez, hop. Où est-ce qu'on... Il est où ? Allez, clac, petit bouton, bannir. Hop, ça c'est fait. Voilà, vous l'avez pas vu. Ça arrive pas souvent ça encore. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Hein. On n'est pas tabassé par du spam bot comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part qu'il s'est éteint et que vous avez un gros bloc noir à l'écran, j'ai pas fait gaffe. Voilà, on a vu comment utiliser le quotidien avec le couple F-Droid plus Aurora Store. Alors effectivement, je garde quand même le... Non, ça c'est encore autre chose.
Obtainium, je me le garde en visu. Ah bah du coup maintenant qu'on a récupéré la main, peut-être qu'en fait on va le tester, tiens, allez hop. Soyons fous. En fait, typiquement, je veux voir si on peut se passer du Play Store pour installer une application comme Firefox. Voire même VLC, parce que je crois que VLC, il y a des petites galères avec le. Là, typiquement, je suis en version 3.5.5. Et je sais plus. Je sais pas. Je sais plus s'il y a plus récent. Parce que là, typiquement, ils nous disent version. Donc là, on voit version ajoutée. Ah bah non, ajoutée le 7 octobre. Ah oui, non mais voilà, on est passé de 3.5.4 à 3.5.5. Sauf que pour la proposer, la nouvelle version, ils ont mis un an. Bon, ceci dit, on. Ouais. Un an et demi. Un an et demi sans mise à jour de... Ouais, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, d'accord. Alors du coup, on a dit. Obtainium. Obtainium, il est là. Directly from the source. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Installer cette application. Oui, c'est le but du jeu. Alors, du coup, on va ouvrir. Ah! Ok. Ah oui, c'est quand même. On est quand même sur quelque chose d'assez. Comment dire? Douloureux? On peut le dire comme ça? D'accord, donc en fait, c'est il faut. Alors soit on peut faire une recherche en sélectionnant ses sources, etc. Bah en vrai, je sais pas. Parce que je pense que pour le coup, Firefox, c'est pas possible en fait. Ah, c'est du mercurial. Donc en fait c'est foutu. Non 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 non, c'est pas forcément. Bah, les meilleurs trucs quand tu choisis GitHub et GitLab en source, on va pas se mentir, et Codeberge. Sur le papier, tu couvres déjà, voilà, un bon truc. Mozilla en particulier, bon, voilà, le fait qu'ils aient choisi Mercurial pour la gestion des sources. Bon, comment dire? On a vu mieux, on va dire comme ça. On comprend pourquoi ils ont envie de le builder eux-mêmes, hein, mais ils n'ont pas ciblé Android. Bah bien sûr que si, Firefox Android, ils le font eux-mêmes, hein, c'est juste qu'ils le publient pas de manière classique au niveau de la gestion des sources. Après, parce que je pense pas qu'il soit amusé à. Ah, peut-être que. Non, parce que ça, on l'a vu, le truc, il est archivé depuis. Il a été archivé au mois de juin.
Donc, et on voit que la dernière version, elle date du mois d'avril avec la Firefox 125. Mais du coup, ça dit coucou, on retourne sur Mozilla Central. Et donc, Mozilla Central, ça veut dire c'est où on a l'annonce machin, Mozilla Central, et c'est sur Mercurial du coup. Voilà. Donc, ils sont revenus sur Mercurial alors qu'avant les sources étaient sur GitHub. Je suis pas fan du move. Parce que personne n'utilise Mercurial en fait. C'est aussi con que ça. Par rapport à Android, par rapport à Optanium, du coup, un truc aussi important que le navigateur qui est Firefox, on peut pas le récupérer via Optanium. Bon, en tout cas, c'est une galère. Le fait est de, à moins d'avoir. Est-ce que Optanium propose. C'est où? Non plus. Reste, on s'en fout. Obtenium. Est-ce qu'il y a un truc Ah bah c'est ça, on a une URL là. Donc si je fais importer depuis. Alors comment je fais ça du coup? Ah! Ok, donc si on va directement sur le site web de Optanium Imraner machin, on est censé pouvoir cliquer et rajouter directement le truc. Essayons. Est-ce que le lien va fonctionner? Oui! Souhaitez-vous quitter Firefox? Oui. Incroyable. Ajouter. Ouais, stable. Vas-y. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, non, mais non. Ah oh non, non, c'est pas possible. C'est pas jouable. Y a pas une liste, on peut pas importer une liste, là, pitié. Y a pas des listes communautaires qui permettent de... Ah oui, c'est-à-dire que là, en fait, il fait le site web qui fait office de boutique, enfin, qui fait office de boutique entre guillemets, pour ensuite ajouter le truc dans. Ah ouais, non.
Ah, on a Firefox qui est dispo. Ok. Alors du coup. Alors, browse the full app, machin. Rechercher, on va prendre Firefox. Donc si, en fait, a priori, Optanium, il y a moyen de bricoler avec Firefox. Mais bon, je... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Add to Optanium. Oui. Continuer. Ah, donc là, il va directement chercher l'APK officielle. D'accord, mais c'est quand même pas simple, hein. On est quand même sur un truc qui n'est pas très user-friendly, hein. Parce que l'application elle-même ne fonctionne pas comme un magasin d'applications. Donc on est vraiment obligé d'aller rechercher d'autres trucs par nous-mêmes. Alors ça peut être intéressant pour des petites applications qui ne seraient pas sur des stores alternatifs, que ce soit F-Droid ou d'autres. Mais c'est quand même un peu... Alors, ceci dit, par contre, par exemple, si on développe sa propre petite application dans son coin et qu'on ne veut pas se faire chier avec les signatures, etc., et qu'on veut quand même pouvoir un truc pour se faciliter l'installation sur le téléphone, bah, utiliser Optanium, ça peut être intéressant parce qu'on peut lui dire, voilà, va chercher les releases sur ce dépôt-là, sur ce truc-là, et il va faire le boulot, il va faire le boulot pour vous, quoi. Ok, je... On est quand même sur de la bonne geekerie encore. Hein. Certes, c'est pas de la ligne de commande, mais on va pas se mentir. Ça manque un chouïa. Alors après, ceci dit, là, il m'affiche. Là, il m'affiche les releases sur... Ah, que là, il me propose directement de faire la mise à jour. Le problème, c'est que la signature, je ne sais pas comment elle passe. Et donc voilà, c'est vrai que sur le CDN de Mozilla, vous avez l'intégralité des archives. Là, typiquement, nous, on a le 131.0.2. Oh, Hop. Ça, c'est la version stable. Android, Army ABI. Ok, donc il est là. Il a été publié il y a 2 jours. Celui qui corrige la fameuse faille critique que tout à l'heure il n'a pas voulu installer via Aurora Store en disant que l'APK était corrompue. Potentiellement parce qu'on a eu la coupure pendant le téléchargement. Je vais quand même le relancer là pour voir si... Voir si ça va mieux et s'il va jusqu'au bout du téléchargement ou pas. Parce que c'est vrai que tout à l'heure avec le... Avec le partage d'écran via ScreenStream, c'était quand même assez costaud. Là, il a fini le téléchargement, il me demande si je veux l'installer. Là, il me gueule pas que l'APK est corrompu, hein. Installation réussie. Bon, bah voilà. Ok. Mais bon, je prends note du truc, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tiens, on a laissé la session ouverte. Hop, allez, un petit... On peut peut-être se faire un... Allez, tiens. PKG, install, Starship. Et Starship, pour l'activer, je crois qu'il faut faire un truc comme...
qui get started. Ah oui. Voilà, step 2. Voilà, c'est ça. Donc on va... Je vais le reposer. Je vais reprendre le clavier parce que sinon c'est pas possible. C'est chiant sur le téléphone, on va pas se mentir. Hop. Alors, Starship. On a dit... Pouf. Pouf. Eval. Alors. If. Note-z. De l'art de Witch Starship. Toujours le faire en... Hop. Zen. Eval de l'art de Starship Init Bash. Voilà. Et du coup, là, si on fait un source BashRC, j'ai pas forcément besoin de redémarrer la session. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? PKG install Witch. Oh là. Ah ouais, non, non, mais bon, faut peut-être pas déconner non plus. Ok, d'accord, bon bah voilà. Un coup, faut pas mettre de tiret-tiret, un coup, faut en mettre. On sait jamais avec ces applis-là. Et du coup, si je fais mon... Si je source mon VEnv... Ansible... Là, il me met directement avec la version de Python. Et bon, en fait, il faudrait que je mette la config. Ah, alors du coup, tiens, bah, tant que j'y suis maintenant, est-ce que on... Putain, pitié. Pitié. Voilà. On a un point thermique. Eh oui, et donc à mon avis, tous les trucs... Voilà, les raccourcis de session sont désactivés. Donc du coup, rename session, on s'en fout. Voilà. Moralité, est-ce que... C'est contrôle. Faut peut-être redémarrer. Hein. Je vais faire ça. Et je vais relancer une nouvelle session. Alors déjà, je vais virer ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah là, il me dit que j'ai 3 sessions. Alors par contre, là, je suis sur la première session. Là, je suis sur la deuxième. Non, raté. Et là, je suis sur la troisième. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand je le fais au clavier du... De l'ordre... Ah! Oui, bah oui, du coup, ok. Non, avec le clavier physique de l'ordi, le problème, c'est que j'ai une galère avec le... Comme je suis sur le clavier... comment dire... Physique. Et en TKL, j'ai que les touches au-dessus des lettres, et du coup, je suis obligé de faire un shift, mais du coup, il capture le shift, donc en fait, il le prend pas en compte. Donc, il faut que je le fasse avec le clavier virtuel pour que ça fonctionne. Mais du coup,
Voilà, donc là, il m'a fermé la deuxième session. Là, il m'a fermé la troisième. Là, il m'a fermé la deuxième. Et donc là, j'en ai plus qu'une. Si je déroule, il me dit bien, j'ai plus qu'une session. Ok, mais du coup, je pourrais avoir plusieurs sessions. Ok, bah c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Tu peux cliquer avec la souris. Oui, alors c'est limité, mais typiquement, par exemple, quand j'enlève. Là, j'ai enlevé le. Avec les fameuses touches sensitives qui sont devenues invisibles sur le téléphone. J'ai. Comment? Là, j'enlève le clavier. Et si je clique dans la zone de texte, c'est comme si je tapais avec mon doigt sur l'écran et du coup, il me réaffiche le clavier. La roulette fonctionne. Là, j'utilise la roulette de la souris. Et donc, je pense que voilà, je peux, avec la souris, je peux dérouler le truc. Et effectivement, là, si je veux, je peux faire ça. Je fais exit et comme ça, on n'a plus de session. Alors, par contre, c'est. Merci. Et donc voilà, et donc si je veux, je peux manipuler le téléphone à la souris. Si je veux aller dans les paramètres, pouf. Donc oui, ça passe le clavier et la souris. Ça, c'est pas entièrement parfait, mais du coup, ça marche quand même. Oh la vache. Costaud quand même. Non, je pense qu'en fait, j'ai installé exprès. C'était. On avait vu tout à l'heure, hein, on avait le truc. Il est où le. OSM Android, voilà, c'est lui hein, qui me bouffe comme pas permis. Termux, bon, il suffit de nettoyer le cache pour que ça aille mieux. Mais les cartes d'Android, c'est. Enfin, les cartes OpenStreetMap, je crois que j'ai téléchargé juste tout le quart nord-ouest avec la Bretagne de la France et ça pompe 3 et quelques gigas. C'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Mais après, alors c'est très surprenant, mais j'ai découvert qu'il restait des données qui n'avaient pas été supprimées après le remplacement. Là, on voit typiquement fichier 400 mégas. Et il reste des vieux trucs de. Il me restait des vieux trucs. Là, typiquement, bah, juste avant de commencer, j'ai dû. J'ai été récupérer un vieux dossier de photos qui remontait à 2000, bah, 2015, 2016. Même si normalement je les ai déjà, donc je pense que quand je vais croiser avec les. Mais typiquement, il reste la vieille base de données de Gridlers, qui a changé de nom depuis, hein, qui s'appelle GridSwan. En docu, ça fait longtemps que j'y ai pas touché non plus. Donc je suis un peu surpris, il reste des trucs qui traînent, qui devraient pas, et. Bon, là, comme j'ai déjà supprimé plein de trucs, c'est moins critique, mais. Mais voilà. Après, c'est pas parfait. Ah, le clic droit permet de se balader entre les différentes applis, d'accord. Non, ou pas, je sais pas. Non, ça fait. Le clic droit, c'est retour. D'accord. Faut le savoir, quoi. Faut le savoir. Là, la molette a failli. Avec la molette, il essaye de me faire. De me faire changer d'écran d'accueil, mais bon. Ouais, c'est pas. Hop, on va faire ça. Si on revient là-dessus, dire aucun transfert de données, pouf. Ah, il m'a fermé la fenêtre. Mais non. Mais non. Ben non, non, on redémarre. Est-ce qu'il va redémarrer? Non, je crois pas. Faut que je relance. Ouais, voilà. Ah oui, donc faut pas faire n'importe quoi avec le. Faut pas faire n'importe quoi.
Mais la capture d'OBS a repris la fenêtre en direct. Donc ça me plaît. Ça me plaît bien. Oui, et du coup, il est... déplace. Voilà. Ah oui, bah du coup, c'était ça que je voulais faire sur... Hop. Alors, oui, c'est ce que je pensais. On va se mettre une conf basique. Hop, voilà. Juste tester que ça fonctionne. Ça peut pas marcher. J'ai oublié les chiffres. Voilà. Hop. Voilà. Vous voulez faire du SSH. Vous pouvez faire du SSH. Ça, c'est fait. Pas besoin d'appli supplémentaire. Oh, encore que, il y a quelques années, j'utilisais. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait dans les applis que j'utilisais. J'utilisais une appli qui s'appelait Juice SSH, qui était dispo sur le Play Store. Je sais pas si elle existe encore. Bon. Elle n'a pas été mise à jour depuis 2021. Pas de bol. Autant dire qu'elle mériterait un peu de... Voilà. Mais oui, voilà, c'est une application qui permettait notamment... alors déjà, via SSH, d'afficher ce genre de truc directement sur le téléphone. En plus d'avoir la console, hein, évidemment. Mais ça permettait surtout, voilà, de créer une liste, entre guillemets, et des groupes de serveurs. Une liste de connexion, et du coup, bah, on lançait l'application, on cliquait directement sur le serveur où on voulait se connecter, et ça ouvrait le SSH, quoi. Ça ouvrait le SSH sur le serveur, mais par contre, ouais, alors, les captures d'écran qui remontent à... Je veux pas être méchant, mais ces icônes-là, ça remonte à Android 4, quoi. Ouais, c'est ça, Android, le thème-là, c'est Android 4.0. Voire plus vieux. C'est quand même costaud. Donc je sais pas s'il y a eu en gestionnaire de connexion comme ça, SSH sur Android, je sais pas s'il y a d'autres applications qui ont... Si on cherche... Faire comme ça, le alternative tout, voilà, il y a peut-être des trucs qui existent qui permettent de... le faire. Et soyons fous qui permettraient de le faire... Oui, alors déjà, il commence déjà par dire putty, alors que putty, c'est que pour les PC de bureau. OpenSSH, on l'a vu, c'est ce qu'on utilise. Conemu, c'est un terminal, c'est pas un SSH. En fait, il me met que des trucs, voilà, Termux. Et c'est tout. MobaXterm, c'est pour les PC Windows. Kitty, c'est un fork de putty, pourquoi pas. Termius, ok. Mac, Windows, Linux, Android. Ok. C'est du freemium. Ouais. Termius. Alors du coup, est-ce qu'on a... Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est lent du cul. Hein. C'est lent du cul, c'est lent du cul. Et
Est-ce que du coup une appli comme Termius ferait le boulot? Déjà le truc il s'appelle là c'est marqué serveur auditeur, donc le truc a changé de nom. Il est où le bouton pour le site officiel? Official website. Voilà. Et du coup, si on regarde sur téléphone. Connect with one click from any mobile and desktop. Ok, ouais. Trusted by, on s'en fout. C'est les grands classiques. Ça, c'est l'application de bureau, d'accord. On peut avoir une fenêtre comme ça. Et sur mobile. Ah, évidemment! Il nous fallait de l'IA, hein! Une application de 2024 qui fait pas d'IA. Quel enfer. D'accord, alors du coup. Je vais aller voir directement. On est sur le Google Play Store. Alors voyons voir les captures d'écran. Ça, c'est on est déjà dedans. Ok, bah c'est ça. Du coup, on crée ces serveurs, on a la liste. Et après, on peut vérifier, soit avec SFTP, on peut faire un peu parcourir l'arborescence. Sinon, on a les terminaux avec potentiellement une prévisualisation en temps réel des différentes connexions ouvertes. Waouh! Ok. Cette application n'est pas disponible pour votre appareil, mais sans blague, on est sur la Peggy 3, ah oui, bon, pourquoi pas. Là, je vais dire à ma frangine qu'elle peut installer Termius sur son téléphone pour que ma filleule puisse commencer à faire du SSH sur des serveurs, hein, ouais, puisqu'elle va avoir 4 ans. Ah là 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 là. Bon. Oh mon Dieu. Et après, avec un plan Termius Starter gratuit. Ben non. Avec un plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on l'installe, il faut commencer à... Ouais, ouais, Demira, ok. Ouais, bon ça, classique. D'accord, ok, voilà. Donc ça, c'est le genre d'application qui, a priori, remplace. Si c'est pas sur F-Droid... ah oui, non, mais de toute façon... là, c'est clair, c'est marqué freemium propriétaire, donc forcément que ce sera pas sur F-Droid. Mais en même temps, je crois qu'on a des filtres. Déjà, on peut filtrer le fait d'avoir que des applis Android. Si on veut s'amuser, donc déjà... Il nous reste quoi par rapport à ça? Il nous reste Termux, Termius, ConnectBot. Alors lui, ConnectBot, il est open source. Et du coup, pour rigoler, il me dit quelque chose, hein, ConnectBot. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il y a une version tous les 2 ans. Hein. Ah, c'est 15 janvier 2024. Bon, l'avantage, c'est que c'est encore ARM 32 bits. Donc, effectivement, je peux l'installer sur le téléphone. Et alors, du coup, il ressemble à quoi, lui? Il y a un site web. Ouais, d'accord, c'est bien, c'est rigolo. Ça nous dit que c'est disponible sur le Play Store. Bon, on va aller voir sur le Play Store s'il y a des captures d'écran. Ok, d'accord. Putain, c'est... Comme quoi, hein, on est... C'est pas... C'est pas un mythe, hein, les applications open source dégueulasses, visuellement... C'est-à-dire que là, on a l'impression que les captures d'écran, elles,
Elle montre un... Comment? Elle montre une application qui visuellement, bah pareil, c'est basé sur Android 4. Bon, et après, une fois que les connexions sont ouvertes, mais c'est ça, ça fait penser. Enfin, Android 4, moi, c'est le thème que j'avais utilisé pour faire ma base de données de DVD Blu-ray, hein, où j'avais piqué un thème jQuery mobile pour faire le boulot. C'était il y a 10 ans. À un moment donné, voilà quoi. C'est ça. Bon. Ouais. Bon, déjà, il y a des commentaires qui sont pas à peine compréhensibles. Enfin, voilà quoi. Mais ConnectBot pour le coup, bah voilà, il est sur, on l'a vu, il est sur F-Droid. Hein. Mais vu la gueule du truc, autant utiliser SSH directement. Hein. On va pas se mentir. Hein. En vrai, de toute façon, les applis comme ça de gestion de connexion, c'est vraiment si on a une énorme quantité de serveurs sur laquelle se connecter. Si on a 4-5 pauvres serveurs comme moi. Honnêtement, on connaît les noms de domaine. Et c'est ça, je dans Termux, hein, ça va aussi vite. Hein. On n'a pas à s'embêter avec quelque chose de plus compliqué. Et moi, ça fait des années que je fais que OpenSSH. Après, j'ai une conf un peu avancée. J'ai un fichier config. Bon, déjà, je me connais. Mon fichier config, il fait 1,5 kg. Il y a quelques configurations dedans pour me connecter sur le rebond, pour me connecter aux machines chez moi via le rebond, pour me connecter en direct sur les serveurs qui sont en Allemagne, pour me connecter chez OVH. Parce qu'en fonction des contextes, j'ai pas les mêmes comptes utilisateurs. Voilà. C'est pas forcément les mêmes clés non plus, il me semble. Comment? Et on pourrait avoir 2-3 autres paramétrages. Et en fait, ça me suffit. Si j'ai besoin de plus. Bon. Ben, pourtant, sur des Windows, enfin sur des Linux bureaux, j'ai vu des personnes utiliser Rimina. Alors moi, Rimina, je l'ai toujours installé que pour pouvoir faire des rares connexions RDP, donc sur des serveurs Windows. Notamment ben, du coup au boulot, hein. Mais comment? Crois qu'il s'appelle comme ça. C'est ça. Mais en fait, ça supporte RDP, SSH, Spice pour les connexions aux consoles virtuelles de machines, que ce soit sur alors Spice, au moins Proxmox, normalement Virt Manager, enfin Libvirt. Ou d'ailleurs Spice c'est le protocole par défaut je crois. Ça supporte aussi bah, du coup VNC pour faire les vieux, les vieux à l'ancienne. X2Go, ça c'est un protocole qui est un peu plus proprio, je crois. Mais qui a quand même des implémentations open. Et il y a même du HTTPS, je vois pas. Alors là pour le coup. Potentiellement pour des consoles IPMI qui serait un peu dégueulasse. Coucou OVH comme d'habitude. Comment? Et du coup, j'ai comment? Donc ouais, le gars gérait ses listes de serveurs SSH en plus de RDP. En fait, il faisait tout dans Remina. Comme il a à la fois du Windows et du Linux, il fait tout dans Remina, comme ça il a une seule interface. Où il fait l'intégralité de son comment? L'intégralité de son parc informatique est dans la même application.
je voulais des captures d'écran, mais manifestement, c'est dépassé, les captures d'écran. À part peut-être sur... non, il n'y a pas... Hein. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avoue que voilà, si c'était que pour faire du SSH, bon bah. Le SSH, il y a déjà OpenSSH, je vois pas l'intérêt. Que ce soit sous Windows avec maintenant OpenSSH, soit en natif, soit dans le WSL. En vrai, normalement, quand on connaît les machines, on tape directement le nom et. Et en plus, une fois qu'en fait la machine est dans le fichier non-host, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est déjà connecté dessus, on peut commencer à taper le nom et avec l'autocomplétion, il va chercher automatiquement le reste du nom de fichier. Le reste du nom du serveur dans sa liste de serveurs connus. Pourquoi s'emmerder avec un client graphique alors qu'on pourrait avoir tout nativement sous la main, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je peux comprendre en termes d'ergonomie, bah, notamment dans le cas d'usage où on a un mixte Windows, un gros mix Windows-Linux, le fait de tout avoir dans la même interface, je peux comprendre l'intérêt. Parce que derrière, de toute façon, ça fait du VTE, je crois, donc voilà. Il n'y a pas de problème de compatibilité avec du raccourci clavier ou ce genre de choses, des problèmes de copier-coller, hein, et j'en passe. Voilà, voilà, et bien sur ce, ah, décidément... ça fait quoi, 3 semaines d'affilée que je fais quasiment 3 heures, pourquoi pas, hein. Mais bon, je tiens. Donc on va s'arrêter là, du coup, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on voulait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors normalement, j'arriverai à mettre le replay demain sur YouTube. Ça, je devrais encore pouvoir le faire. C'est juste que je vais commencer à devoir ranger des choses, à vraiment ranger, vider le bureau, etc. Parce que du coup, derrière, je change. Mais je devrais pas avoir trop de problèmes à faire ça. Donc, le replay sur YouTube, comme d'habitude. Vendredi prochain, il y a de grandes chances que je ne puisse pas être là. Parce que je pars potentiellement quelque part et du coup je partirai le vendredi, donc je serai pas dispo. Mais si je fais ce que j'ai prévu de faire, je rentre le lundi, je me tâte à le faire le lundi du coup, à tester le lundi soir. Comme ça. Pour changer un peu. Le seul truc, c'est que du coup, le problème, c'est que je peux pas gérer le replay tout de suite dès le lendemain, c'est un peu con. C'est dommage. Mais je tenterai bien du coup de le faire, même si normalement j'aurai la route dans les pattes, mais ça devrait quand même se gérer. Voilà, ça. Ça devrait pouvoir se gérer comme ça. Hop. J'en profite pour éteindre. J'éteins la VM VirtualBox via mon téléphone. C'est complètement con. Voilà. J'ai pas encore. Alors, le fait est que pourquoi j'ai fait le sujet Android ce soir, c'est parce que comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était soit j'ai avancé sur l'application. Pour la partie Chaos Engineering et du coup je peux bosser l'observabilité. J'ai absolument rien branlé parce que toutes mes soirées étaient soit je rentre trop tard, soit je suis crevé, du coup je me repose et je touche pas à l'ordinateur. Ce qui m'a donné c'est quand mercredi matin je me suis tapé un truc comme 350 entrées de flux RSS à dépiler. J'ai pas encore complètement le sujet. Comme d'habitude, j'essaierai de communiquer. Je vais essayer de communiquer avant le vendredi. Alors, pas le vendredi soir, du coup, parce que je serai potentiellement pas là, mais ce sera là avant le lundi soir sur le sujet. Parce que là, je l'ai pas. Après, en soi, c'est vrai que j'ai toujours plein. J'ai une liste d'enjeux Plin qui commence à se.
Il y a quoi? Il y a la compilation du WSLG personnalisé pour matcher le clavier FROSS pour les applications graphiques. C'est de la bonne geekerie. Ça peut être rigolo. Ça peut être très très rigolo. J'avais déjà expliqué le problème que j'avais eu avec les applications où en fait je lance une application graphique dans le WSLG et je me retrouve avec le clavier QWERTY. Parce qu'en fait, il ne détecte pas la variante de clavier que j'ai installée dans Windows et du coup il me repasse sur le clavier par défaut. Voilà. Normalement, il est censé mapper le truc et en fait il le fait pas. Donc, voilà. Et potentiellement, je pourrais avoir ce genre de truc. Voilà, j'ai quoi? J'ai toujours. J'ai toujours le fait de. Comment? Aussi, je veux réinstaller un Mumble à jour sur mes nouveaux serveurs, enfin sur mon nouveau serveur, là où il y a mon blog. Et comme maintenant, Mumble ne propose plus de binaire statique, je voulais regarder les options et notamment expérimenter Podman. Donc ça peut être un truc qu'on pourrait faire, pas lundi qui vient, mais lundi dans 10 jours. Voilà, ça permet voilà, de changer de contexte un peu, de varier un peu les plaisirs, on va dire. En termes d'application et de sujet. Et puis l'avantage, c'est que ça permettra de se pencher dessus. Donc soit de le faire nous-mêmes, soit de créer l'image nous-mêmes et de l'exécuter via Podman et les outils qui vont avec, soit de choper une image toute faite et de l'exécuter, juste de la déployer avec Podman pour voir comment ça fonctionne. Puis bah après, regardez si ça fonctionne, regardez comment la déployer en auto, quoi, tout simplement. Voilà. Sur ce, bonne nuitée et bonne fin d'après-midi en fonction du fuseau horaire. Et puis à bientôt sur un. Je suis en train de tout péter. Non, c'est bon. Ok. Je disais quoi? Ça y est, j'ai oublié. Je vais aller coucher. Hein. Enfin, bonne nuit, de manière générale. Bon appétit si vous passez à table. Joyeux Noël. Joyeuse Pâques, tout ça, tout ça. Allez, ciao, ciao!